Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la gelée de coing. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des coings, ici 4 pièces pour 1,5 kg, 700 g de sucre et un citron. Première étape, on s'occupe des coings. Alors, on va d'abord les frotter pour enlever cette peau duveteuse, vous voyez. Comme ça, elle part facilement, mais il faut la retirer. Donc, ce qu'on fait, on les passe dans l'eau et on les frotte sous l'eau claire comme ceci. La peau va partir toute seule. Maintenant, on va découper les coings. On prend un couteau bien affûté, on fait attention à ses doigts, on coupe les coings en deux. Ensuite, on recoupe chaque moitié en deux, puis en quatre. On conserve bien le cœur et les pépins. Ce sont les pépins qui apportent la pectine pour une bonne tenue de la pâte ou de la gelée. Et on réserve tout ça dans un saladier. Les coings sont découpés, on va passer à la cuisson. On met les coings dans une casserole, on couvre avec de l'eau juste à hauteur. Voilà, maintenant ça part en cuisson. J'ai mis les coings sur le feu, on porte à ébullition. Au premier bouillon, on met un couvercle et on va laisser cuire une trentaine de minutes à petit feu. Au bout de 30 minutes, les coings sont cuits. On vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau. Ça rentre bien, c'est parfait. Maintenant, on coupe le feu. Immédiatement, on verse les coings dans une passoire fine pour récupérer le jus et la pulpe. À l'aide d'une araignée, on appuie légèrement sur les coings pour extraire le maximum de jus. On couvre avec un torchon et on laisse égoutter quelques heures. Avec le jus, on va réaliser de la gelée de coing et avec les fruits, on va faire de la pâte de coing. Je filtre la préparation à travers une passoire fine. Voilà, ça permet de récupérer toutes les impuretés contenues dans le jus. À présent, on va s'occuper du citron. Alors, on le coupe en deux et on va prélever le jus. J'ai pesé 996 g de jus. J'ai préparé 750 g de sucre. Maintenant, on va passer à la cuisson. On verse le jus de citron dans le jus de coing. Et on ajoute les 750 g de sucre. À l'aide d'un fouet, on mélange le tout. On met sur le feu et on porte à ébullition en tournant fréquemment. Régulièrement, on retire avec une écumoire la mousse qui se forme à la surface de la gelée. Au bout de 20 minutes, on voit la gelée commence à se teinter, elle devient un peu sirupeuse, on poursuit la cuisson. Au bout de 30 minutes, la gelée a une belle couleur corail, elle est bien épaisse, c'est parfait, elle est cuite, on coupe le feu et on va passer à la mise en pot. La gelée est bien chaude, j'ai préparé quelques pots, maintenant on va les remplir. Alors, je prends un entonnoir pour ne pas salir les bords comme ceci et à l'aide d'une louche, je remplis les bocaux. On remplit bien jusqu'en haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend un couvercle. On le visse bien fortement.
et on retourne le pot sur un torchon afin de le stériliser. Voilà, et on fait pareil pour les autres pots. Les pots sont prêts, j'en ai fait 6, alors on les retourne pour pouvoir les conserver. En fait, ça fait le vide d'air puisqu'on les a fermés à chaud. Donc maintenant, on va les laisser refroidir. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors je vous présente un pot de gelée qui est prêt. Donc il a reposé toute la nuit. Regardez cette belle couleur, bien transparent. On est parti de ces fruits jaunes là pour arriver à ça. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Regardez la limpidité et la belle couleur corail de la gelée. Alors je vous montre la texture. Elle est bien tremblotante, très pâle. C'est parfait. Alors maintenant, on va goûter. On sent le coin, c'est au top. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao !